J'espère que vous allez bien en cette belle journée de vendredi 19 juillet. Je dis cette belle journée parce qu'on a enfin un peu de soleil. Les températures devraient remonter un peu. Alors je sais que pour certains d'entre vous, vous avez des températures très très élevées. Donc vous voyez, en fait, on n'est jamais content, hein. Soit on a trop de chaleur, soit on n'en a pas assez. En tout cas, bah, merci d'être sur ma chaîne. Bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue pardon, aux anciens et évidemment aux membres. Alors figurez-vous que j'ai pris l'habitude de lire, enfin de piocher, on va dire, un verset biblique pour savoir un peu comment sera faite ma journée. Et vous assure qu'aujourd'hui, je suis tombée sur Jean 16, 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Je me suis dit, tiens, ça c'est pour moi. Ça veut dire qu'il ne faut pas que je leur dise tout. Voilà, je le prends personnellement. Alors, je vais quand même vous mettre un petit extrait de ce que j'avais vu pour l'horoscope 2024 de la France concernant les enfants, les enlèvements d'enfants. Voilà, donc faire une petite pause. Ça dure quelques minutes. Je reprends après. Figurez-vous qu'en réécoutant mes prévisions pour la France 2024, je suis tombée sur ceci, parce que je ne me souviens pas forcément de tout ce que je dis, évidemment. Mais écoutez voir. Que vous dire d'autre? Oui, la dernière information que je voulais vous dire, et c'est celle-là, elle m'a demandé vraiment beaucoup de temps, c'est à propos des enlèvements d'enfants, puisque là, c'est un sujet voilà, qui me touche. Du fait de ma sensibilité. J'ai envie de dire pareil, hein, janvier, attention au mois de janvier, alors parents, grands-parents, soyez vraiment prudents, justement, début d'année, parce que j'ai des aspects qui ne sont pas sympas. Je ne vais pas les évoquer ici, sachez que j'ai travaillé avec les nouvelles lunes et des aspects que, encore une fois, je ne vais pas évoquer, qui sont un travail de recherche personnelle, mais j'ai envie de dire. Attention au mois de janvier et surtout entre fin juin, on va dire fin juin et mi-juillet, un petit peu comme ce qui s'est passé avec le petit Émile, je ne sais pas pourquoi, je retrouve quelque chose qui est très similaire sur l'été. Alors, concernant le mois de janvier, alors effectivement, il y a bien eu un enlèvement d'un enfant. C'était bien en janvier, voilà, je vous mets le texte, hein, parce qu'il faut toujours, prouver ce qu'on dit, n'est-ce pas? Mais heureusement, cet enfant a été retrouvé. Par contre, la petite Célia n'a pas eu cette chance. Voilà, je pense que vous êtes au courant. J'ai vu que Flash Manu avait mis un post dans sa communauté à ce sujet. Encore petit enfant qui a été enlevé, donc bien, c'était bien les dates que j'avais dit, entre fin juin et mi-juillet, vous voyez. Ça fonctionne, hein, l'astrologie. Et là, bah, malheureusement, la petite, bah, vous savez ce qui s'est passé, hein, elle a été tuée. Voilà. Donc je voulais simplement vous mettre cet extrait-là. Bah, pour un peu pour les détracteurs et tout, hein. J'en ai un peu marre, mais bon. Par contre, j'aurais préféré me tromper pour ces deux cas-là. Enfin, bon, la première, heureusement, ça s'est bien fini, mais pour la deuxième, vous voyez, il y avait des mauvais aspects, et donc bah, je les connais les aspects. Donc, dès que je les reverrai cette fois, eh bien, je posterai quelque chose dans la communauté. Comme ça, tout le monde fera attention aux enfants. Peut-être que ça servira. Voilà. Quand on connaît un peu la technique et quand on a de l'expérience, ben ça fait quand même plus de 20, entre 20 et 30 ans, je ne sais plus exactement quand est-ce que j'ai commencé, eh bien, on peut voir les événements. Donc il y a des choses que je sais, mais 100%, hein, voilà, parce qu'il y a des aspects astrologiques qui ne donnent pas lieu à plein d'interprétations possibles, mais seulement à une ou deux. Et elles vont dans le même sens. Donc c'est pour ça que je sais vers quoi on va. Mais je ne peux pas tout vous dire trop à l'avance, pardon, parce que ça va servir à rien, puis vous allez oublier. Donc je vais essayer de vous préparer petit à petit, de façon à ce que vous puissiez quand même anticiper. Et puis voilà. Bon ben écoutez, le jeu me trahit. Le jeu me trahit de lui-même. Mais c'est mon jeu, hein, donc voilà, c'est normal qu'il soit connecté. Et voilà, ça c'est la carte de. Faire face à la tempête, donc ne pas tourner le dos. La personne, elle regarde la tempête qui arrive, elle se prépare, elle a son petit imperméable là, voilà. On peut considérer qu'elle est soit sur un bateau, soit sur la plage, mais de toute façon, la tempête arrive. Hein, ça fait depuis 2 ans ou 3 ans que je vous le dis qu'on va rentrer dans la tempête. Les plus anciens d'entre vous s'en souviendront. Bon. Alors, vous avez vu que Madame Ursula a été réélue, ben ça, écoutez, c'était bien sorti, hein. Alors c'est marrant parce que quand on a raison, ben, on n'a pas beaucoup de commentaires. Mais merci à ceux qui sont passés par là et qui ont mis un petit pouce.
Par contre, quand on se plante ou alors quand on ne dit pas tout à fait ce qui arrive, alors là, ça y va. Hein. Alors là, on va faire plein la figure. Hein. Bon, c'est comme ça, c'est la nature humaine. Bon. J'ai demandé un petit peu à l'Esprit Saint de m'informer et de voir un petit peu ce que Ursula va nous mettre en route. Mais c'est évident que ça ne peut pas être des bonnes choses. N'oubliez pas que le chapelet, ça aide. Alors moi, j'ai mon petit bracelet chapelet, voilà. C'était plus esthétique qu'autre chose, parce que le chapelet, je le fais avec une espèce de pendentif, si vous voulez, quoi. Le chapelet, quoi. Pas en forme de bracelet, mais en forme de collier. Mais il est sympa, parce que quand même, vous avez, regardez, vous avez aussi, vous voyez, la Vierge Marie, et puis après, ben, vous déroulez le chapelet, quoi. Voilà. Donc c'est sympa en voiture. Vous pouvez le faire n'importe quand, hein, quand vous faites vos courses, quand vous promenez. Mais je vous en parlerai après. Bon, je ne vais pas me déconcentrer. Il faut absolument que je vous dise ce que ce chapelet il peut apporter, parce que sinon, vous n'allez pas comprendre. Allez, Madame Ursula, qu'est-ce que tu vas nous mettre en route? On va prendre celui-là. On va prendre peut-être le Aurora, qui est bien événementiel aussi, que j'ai rangé. Voilà. Voilà. Alors, il y a des histoires de médicaments, là, et de se mettre au travail. Bon, alors, on sait qu'elle est évidemment en relation avec son cher... c'est Albert ou Laurent? Ah, je ne sais jamais comment il s'appelle ce gars. Je crois que c'est Laurent, hein. Non, Albert. Enfin, bref. J'ai encore la mémoire qui est partie faire un petit tour. Bon, enfin, bref, c'est le PDG de Pfi. De toute façon, comme ça, vous savez de qui je parle. Je pense que, voilà, on va se retrousser les manches pour mettre au point des nouveaux médocs. Et puis, il y a aussi la sursang. Donc, il y a des choses qu'il ne faudra pas dire. Hein. Bon, ben, ok. La carte parle d'elle-même, pardon. Restriction à venir. Mais il y a beaucoup le côté médicament qui sort. Vous avez vu, je vous avais dit aussi qu'il y avait le coco qui allait revenir. Je ne me souviens plus dans quel tirage, par contre. Je suis désolée, hein. Je ne les note pas tous. Et ben, apparemment, ça, effectivement... Les gens reportent le masque au JO. Moi, je ne comprends pas. Vous voyez, quand vous me dites qu'il y a un éveil, ben non, moi, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas d'éveil. Hein. Non, non, moi, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas d'éveil. Les éveillés restent éveillés et ceux qui dorment continuent de dormir. Donc, ça ne change pas. Hein. On était combien? 20, 25%? Bon, ben, on est peut-être 26%. Allez, mais c'est tout. N'est pas plus. N'allez hein. Pas croire que la population est éveillée. Est éveillée. Encore me faire, je vais encore me faire critiquer dans les commentaires. Ouais, elle m'a dit, vous ne savez pas parler français. Ben, si, mais quand je suis en voyance, je perds beaucoup de choses. La façon de s'exprimer, la logique, la mémoire. Donc, ne me donnez pas des conseils pour la mémoire. J'ai une bonne mémoire, mais quand je suis en voyance, je suis partie. Bon, alors. Et c'est normal. Hein. Ursula, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Allez, dis-nous tout. Je suis en train de percer les secrets de son mental. Là, ça, c'est les lanceurs d'alerte. Hein. Bon, elle calcule des trucs. Alors, calcul, feu vert. Là, il y a éventuellement une séparation, une décision ou un choix. Ouais, ça serait peut-être une carte de choix. Tiens, je n'ai pas pensé, mais c'est vrai. Puisqu'il y a deux chemins. Alors, attendez. On va regarder. Ursula, qu'est-ce que tu vas mettre en place? Allez. Alors, en Europe, évidemment, France, Allemagne. Hein, vous inquiétez pas, on y aura droit aussi. Hein. Bon, alors là, c'est marrant, il y a l'autre débile qui ressort. Alors, je l'aime pas. Ouais, vous savez qui c'est. Hein. Bon, Caligula. Tiens, tiens, il y a une décision le concernant. Les lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte qui préviennent d'un crash. Bon, ben ça. Ah! Bon, ben écoutez, voilà quoi. Bon. Ah, j'aime bien cette carte-là. Alors, j'aime bien cette carte-là. Je ne m'attendais pas à la sortir. Mais par contre, elle est horrible parce que là, c'est la destruction. Alors, il y a deux choses. C'est soit l'inflation, la monnaie qui ne vaut plus rien, mais ça peut être aussi la disparition du cash. Et ça, effectivement, c'est quelque chose. Il faut vous y préparer. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, alors attendez. C'est intéressant, les cartes-là. Hein, on demandera après à Indigo. Avec ces petites cartes. Je vais vous en rajouter encore quelques cartes. Ouais, je travaille tout le temps. Qu'est-ce que je vous dis? J'ai un petit vélo dans la tête, comme on dit. Moi, ça ne s'arrête jamais. Hein. Voilà. Bon. Donc, aux gens qui me prennent pour une débile, sachez que je ne le suis pas.
Parce que quand j'avais fait des tests à une époque, j'avais un QI qui était autour de 137. Voilà. Alors maintenant, il a dû diminuer quand même avec l'âge, mais enfin bon, c'était ce que j'avais eu. Hein. Donc je suis au courant de plein plein de choses et c'est pour ça que je sais remettre les pièces du puzzle ensemble. Donc je sais à peu près ce qui va arriver. Hein. En plus avec l'astrologie et la voyance, ça aide beaucoup. Alors. Non, parce que de temps en temps, il faut le dire, quoi. Moi, j'en ai marre d'être prise pour une débile parfois. Ça m'énerve. Hein. Allez vous renseigner ici, regardez cela. Mais je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Alors, crainte, attente et inquiétude. Bon, ça veut dire aussi que les gens, ils s'attendent quand même à des choses pas sympas. Les gens le sentent. Hein. Bon. Alors, on va regarder. Allez, on va demander à Aurora. On va la faire travailler un peu. Ok. Bon, alors ça, c'est lui, hein. Tout de suite, m'a dit. Alors, quand c'est mauvais et que j'ai cette tête-là, je sais que c'est notre cher Caligula. Voilà. Alors, par contre, on va demander pourquoi il y a ça. Il y a une décision le concernant, là, mais monsieur qui est perverti ou corrompu. Mais on ne sait pas trop de quoi il s'agit. Il y a quelque chose, une décision concernant Caligula, mais pas tout de suite. Et qu'est-ce qu'elle a prévu pour lui? Un changement. Un bouleversement. Tiens, il y a des changements pour Caligula. Voilà. Et ça sera en relation avec les décisions de Madame Ursula. C'est marqué là. Hein. Vous voyez? Changement, soufflet, instabilité. Bon. Ok. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est sorti, mais enfin, c'est sorti. Donc, des changements à venir pour qui vous savez. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Un cadeau. Des dons, mais un crash. On va regarder pourquoi. C'est peut-être les lanceurs d'alerte qui avertissent qu'il faut arrêter de faire des cadeaux, c'est possible, hein? Ou des dons à qui vous savez. Le bonheur. Le bien-être. Alors là, je ne vois pas trop. L'abondance. Oui. Moi, j'irais plutôt la fin de l'abondance, moi. Parce que là, j'ai bien-être, plaisir et dons. Alors, j'ai trois belles cartes. Attends, on va demander au mien. Ça m'étonnerait que Ursula va nous donner tout ça quand même. Oui, pour les criminels. Oui, là, je suis d'accord. Voilà. Pour les criminels, c'est des cadeaux, des avantages, du bien-être, du plaisir, des faveurs. Vous voyez, pour les criminels. Ça, cette carte-là, vous avez les deux plateaux de la balance qui sont déséquilibrés, hein, au niveau venu. J'explique un peu ma carte parce que c'est peut-être pas évident à voir. Et donc, c'est le criminel qui tient la justice en main. Donc, c'est la justice pour les criminels. Donc, ça veut dire qu'elle va encore récompenser des gens criminels. Alors les crashs, c'est les accidents. Alors pourquoi pas des gens qui font des accidents qui ne vont pas en prison. Et les lanceurs d'alerte vont avertir ou bien des gens qui font du mal à d'autres et qui ne vont pas en prison. Enfin bref. Donc ça va continuer, je suis désolée. Des mesures pour les criminels. Bon, bah écoutez, oui. Hein. Là, il y a la volonté de se débarrasser du cash. Hein. Moi, du cash et c'est marqué, hein, débarrasser. Hein. Je m'aperçois que vous avez un reflet. Ah, bah oui, je vous ai dit qu'il y a du soleil aujourd'hui. Bon, attendez, on va essayer d'arranger ça. Alors. Ah, c'est un peu embêtant d'enlever le soleil. Mais enfin, si vous ne voyez rien, c'est pas bien non plus. Voilà. Peut-être un peu mieux, je pense. Ah, excusez-moi, parce que si vous aviez le reflet avant, je conçois que ce soit embêtant. Alors, vous voyez, ici, donc, on est en train de calculer comment se débarrasser du cash. On va regarder pour mettre quoi en place. Quoi d'autre? Bon, alors là, j'ai encore de la corruption. Oui, mais ça ne me dit pas ce qu'elle va mettre en place. Attendez. Alors là, on a les prophéties. C'est intéressant, ça. Les prophéties, oui. Qu'est-ce que tu vas nous mettre en place sur cela? Dis-nous tout. À moins que je l'ai déjà dit, hein, parce que je dis que c'était la disparition du cash. Là, j'ai un sosie ou des sosies. Le pacte avec le diable. Bon, alors j'en saurais pas plus, hein. Non. Dès que c'est les clones et les sosies. Mais j'en saurais pas plus. Je vais les mettre à part ces cartes-là parce que je sens qu'elles sont importantes. Et je pense qu'elles me parlent d'autre chose. Je crois qu'au niveau du cash, on a déjà l'explication ici où je vous ai dit que, en fait, elle va vouloir mettre en place la fin du cash. Voilà, débarrasser, assainir. Mais vous voyez qu'il y a quand même des valises de cash qui vont être échangées de part et d'autre.
Donc le cash ne sera pas perdu pour tout le monde. Moi, je vois la disparition de la monnaie, voilà. Point. De disparition du cash. Et donc, forcément, le numérique qui va arriver. Alors ici, bon, alors là, feu vert et clé, mais inertie. Bon, ça va être encore. Alors là, c'est un peu curieux, on va demander. Qu'est-ce que c'est? Attendez, je reprends un peu mon jeu. N'oubliez pas que les extensions sont disponibles sur mon site. Alors, je sais qu'il y a quelques problèmes actuellement, mais n'hésitez pas à vous contacter, hein. Moi, je peux m'occuper des petits problèmes et vous faire parvenir la commande sans problème. Alors, on marche sur la tête. Bon, renversement des valeurs. Bon, ben, ça veut dire qu'elle va continuer à ne rien faire, inertie, et à renverser les valeurs ou à continuer à marcher sur la tête. Alors, je sais que ce n'est pas très précis, parce qu'on n'a pas d'événement en relation avec ces cartes-là. Mais bon, le renversement des valeurs, je vous ferai une vidéo sur l'abbé Pierre après. Alors, ça, c'est marrant. Ah ouais, ça, c'est drôle. L'enlèvement de l'église. C'est marrant. Écoutez, je la sors beaucoup ces temps-ci, hein. Je la sors beaucoup ces temps-ci. Simplement, je pense que beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à entendre ce que signifie cette carte. Je me fais suffisamment critiquer sur l'histoire de Bible et tout. Donc, c'est délicat. Mais moi, je pense qu'on s'en rapproche, hein. Alors, les chrétiens sauront de quoi je parle. L'enlèvement de l'Église, c'est l'enlèvement des chrétiens qui seront mis en sécurité par rapport à ce qui est prophétisé, par rapport à l'arrivée de l'Antéchrist, etc. Donc, je conçois que tout le monde n'y croit pas, mais bon, comment vous dire, il n'y a plus tellement de temps, quoi. Bon, on va la mettre de côté. Alors, en tout cas, le renversement des valeurs. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Celui-là, qu'est-ce que tu veux nous mettre en place? Bon, là, c'est les quotidiens. Bon, j'arrive pas à pénétrer dans son esprit. Alors, madame, dis-nous tout ce que tu veux mettre en place, là. Allez. Est-ce qu'il y a un truc, là? Mais elle le cache. J'ai les feux d'artifice, oui. Par rapport à quoi? Bon, alors, une femme. Bon, ça peut être elle. Ah, c'est caché, hein. Elle a un projet caché ici. J'arrive pas à le voir. J'arrive pas à le sortir. Attendez, on va redemander à Aurora ou à Indigo. Oui, parfois, vous savez, ils ont des protections aussi, ces gens-là. Donc, c'est pour ça que je fais toujours les tirages quand je suis en super forme, parce que ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Bon, ben là par contre c'est bien sorti. Alors, isolement, enfermement. Oui. Donc elle veut en fait. Alors, enfermer les gens, évidemment, c'est les questions de restriction, hein. Mise à l'écart. Bâillon. Belle signification. Bâillonner les gens. Donc là, on est parti pour effectivement ben, les répressions, quoi. Ça sera en relation avec le financier. Et évidemment, les pénuries. Alors, le dénuement, en fait. C'est la carte du dénuement. C'est pas que les pénuries, c'est la misère. Hein. Donc, ça veut dire qu'en fait, vous avez vraiment une information qui est intéressante ici. La disparition du cash, ou la monnaie qui n'a plus d'argent, qui n'a plus du tout de valeur, et donc le numérique qui va arriver. Et évidemment, ici, ça va être une façon d'enfermer les gens, de les mettre sous contrôle, parce que les caisses sont vides. Hein? Bon. Vous savez, il y a un magasin à Londres. Alors, c'est pas nouveau, hein? Ça fait déjà depuis quelques années. Il y a un magasin à Londres, je vais vous retrouver l'article, c'est un Aldi, oui, c'est un Aldi. Et en fait, vous ne pouvez rentrer dans ce magasin que si vous avez un QR code. Non, ça n'a rien à voir avec le coco, c'est autre chose. Il faut être enregistré. Et si vous êtes enregistré, eh bien à ce moment-là, vous mettez votre QR code et vous pouvez rentrer dans le magasin. Voilà. Donc, on peut imaginer que plus tard, eh bien, il y aura certains rayons, par exemple de viande ou d'autres choses, qui s'ouvriront uniquement si vous avez comment dire, assez de crédit carbone, quoi. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Hein. Je pense qu'on va vers un monde dans lequel on va vous donner, on va nous donner, hein, parce que je serai dedans encore, on va nous donner un certain nombre de crédits, quoi, un peu comme des jetons, voilà, des jetons. Et eh bien, vous serez limité par rapport à ce que vous allez acheter.
Hein, c'est crédit carbone, quoi. Bon, bah, je pense que ça va être ça. Alors, je m'avance peut-être beaucoup, mais à mon avis, connaissant la dame, bon, allez, voilà, ça c'est le projet, hein. La carte de projet, c'est en projet. Ben voilà, ils sont en train d'étudier ça, vous voyez, le guide. On va nous dire que c'est pour notre bien, c'est pour passer une situation difficile dans laquelle il n'y a plus de ressources, et nanana. Mais ça va faire partir beaucoup de gens, hein. Et alors, ça va faire partir beaucoup de gens et ça en va en réveiller beaucoup d'autres. Bon. Donc, à mon avis, il y a des gens qui vont partir, hein. Ok. Alors, on va demander un petit peu ces trois cartes que j'avais laissées de côté, là. Donc, hein, la principale information, c'est la disparition du cash avec certainement le numérique. Alors, attendez, on va regarder ce que c'est que ça. Parce que là, je sens qu'il y a un truc. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Bon, ben là, j'ai l'Esprit Saint et les prophéties. Donc là, il y a un truc quand même. Hein. Un pacte diabolique. Alors, ça peut être évidemment les politiciens. Un pacte diabolique pour avoir de l'or. Oui, bon, ça, de toute façon, quand on fait un pacte avec le diable, généralement, c'est pour avoir de l'or ou pour avoir de l'argent, enfin, c'est compris, des richesses. Il y a un volcan. Tiens, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, ça peut être évidemment une destruction. Bon, ça, c'est la mafia. Hein. Faut que je dise doucement. Hein. Ça, c'est la mafia dont elle fait partie. J'ai le volcan. Qu'est-ce qu'ils veulent mettre en place? Parce qu'il y a autre chose qui se cache là. Ah, j'ai la chrétienté. Mise sous clé. Ou alors, c'est une information qui m'est interdite, mais j'ai pas l'impression. Attendez. Ouais, ça c'est le peuple français. Ouais. Non, non, mais c'est pas ça. C'est ouais. La mise sous clé. Ouais, non, mais c'est ça. La mise sous clé de la chrétienté. Ouais. Vous allez voir qu'ils vont nous préparer une nouvelle religion mondiale. Hein. Je pense que c'est ça. Parce que ça génère trop de conflits dans la population, nanana. Vous savez, ils vont nous faire le truc, les religions sont source de guerre, etc. Sauf que les chrétiens, eux, ils défendent toujours la paix. Hein. C'est aime ton prochain comme toi-même. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, etc. Enfin, vous voyez, donc c'est vraiment un discours d'amour, quoi. Donc, je vois pas pourquoi on nous enquiquine. Enfin, plutôt, je dis, je vois pourquoi. À cause du diable. Alors, mais j'ai une protection. Mais ils veulent en fait éradiquer le christianisme, sauf qu'ils n'y arriveront pas. Bon, ben écoutez, voilà, moi je le sors. Hein, le 666. Bon, ben madame, j'ai un petit peu de mal. J'ai un petit peu de mal à trouver cette information, mais elle est sortie. Effectivement, c'est biblique. C'est bien effectivement pour mettre la religion sous clé. C'est-à-dire que si vous avez la puce dans le cerveau, ben oui, c'est évident que votre cerveau est sous contrôle. Donc, tout votre être spirituel est sous contrôle et qu'on vous bloque l'accès à Jésus. Ah ouais, c'est marrant ça que ce soit sorti. Vous voyez? Et pourquoi est-ce que j'ai ça? Ben maintenant, je comprends. C'est que pour tous les gens, soit comme des robots. Voilà. Et le pacte avec le diable, ben, ça se comprend. Hein. Si on met ça et ça, c'est bien le 666. Bon, alors écoutez, c'est très sérieux quand même cette histoire. Hein. Vous savez que la puce, elle existe, hein. Elle existe, hein. Il y a des gens qui se sont fait déjà greffer un truc sous la peau pour payer. Ben oui, ou pour ouvrir les portes de leur entreprise. Ça, c'est la Suède, hein. Donc, faut pas croire que tout ça, c'est du pipeau, comme on dit. Alors, pipeau, ça s'écrit PIPEAU. J'en ai marre de le voir PIPO, hein. Je vous le dis comme ça. C'est du pipeau. On joue du pipeau. Voilà. Donc, ce n'est pas du pipeau. C'est très sérieux. Le contrôle mental, le contrôle du cerveau, demandé à Elon, hein, il a mis ça au point, même s'il y a encore quelques ratés, mais enfin bon, d'ici quelques temps, quelques années, c'est bon, quoi. Et ça, c'est en préparation. Voilà, c'est pour ça qu'on a ceci. Bon. Donc, il faudra pas l'accepter. Et je comprends pourquoi j'ai sorti cette carte-là. Ça, c'est logique, hein. Parce que les chrétiens qui auront gardé leur foi en Jésus, ne subiront pas la marque de la bête et donc ne seront pas obligés de faire un pacte avec le diable. C'est tout. Voilà. Et alors je vous dis que vous n'êtes peut-être pas prêt à entendre tout ce que j'ai à vous dire, mais c'est pas grave, hein, parce que au fur et à mesure que le temps va passer, vous allez voir ceci arriver.
Vous allez le voir. Ça va commencer par le numérique, puis ça va continuer par le crédit social. Et puis ben après, ça va continuer par les critiques envers les gens qui sont chrétiens, l'instauration de la nouvelle religion mondiale, qui est aussi en route. Et donc, forcément, après, ceci arrivera, quoi. Hein. Alors, l'enlèvement de l'Église, ben, je ne peux pas vous en parler là, c'est très mystérieux. Mais il y a plusieurs textes qui nous disent que les chrétiens seront mis ben, en sécurité. Alors, ça a l'air d'être du délire comme ça, mais étant donné que moi, j'ai eu personnellement une expérience où le temps s'est arrêté, je ne peux pas vous dire que c'est impossible, puisqu'il y a des miracles qui existent. Hein. Regardez dans les saints, tous les miracles qui sont arrivés. Le petit jeune saint Carlo Acutis, là, qui a fait des miracles aussi. Hein. Enfin bref, tous les saints et saintes. Peut-être que certains d'entre vous ont eu d'autres expériences. Ce serait bien que vous les postiez dans les commentaires. Ah oui, il y a une vidéo qui est sortie sur NDLM. Alors, c'est encore une expérience de mort. Cette fois, c'est un surfeur qui s'est fait piquer par des cuboméduses. Alors, je ne savais pas, mais elles sont très, très mortelles. Et le gars, c'est pareil, il est mort pendant une vingtaine de minutes. Donc, pareil, là aussi, il raconte. Hein. Il raconte. Alors, ça lui est arrivé en 82, il y a plus de 40 ans de ça. Donc, moi, je vous encourage à aller regarder ce genre de témoignage, parce que ce n'est pas du fake. Je ne sais pas comment ça pourrait être du fake. Hein. Quand il est mort, il est mort. Hein. Et puis, ben, il raconte un peu ce qu'il a retiré de cette expérience, puisqu'il est revenu à la vie, comme vous l'avez compris. Voilà. Je tire encore une carte. Qu'est-ce qu'on va demander? Oui, un conseil, tiens. Oui. Alors, un conseil pour ma communauté. Ah, là, maintenant, là, quoi, faut se préparer. Je vous avais dit de faire des provisions. Est-ce qu'il y a encore autre chose à faire? Oui, bon, les pâtes, c'est bien. La farine, pensez à la farine, parce que la farine et de l'eau, ben, ça fait du pain, quoi. Hein. Pensez à l'eau aussi, au niveau des provisions, on ne le dira jamais assez. Est-ce qu'on peut me donner encore un conseil pour ma communauté, pour les aider à se préparer? Voilà. Alors, un blocage. Oui, bon, alors ça peut être les grèves. Hein. Et la séduction. Bon, la séduction d'un blocage. Bon, il peut y avoir des appels, par exemple, à faire grève. Hein. Alors, je ne sais pas trop ce qui se passe en France, mais il me semble que le front de gauche, ils ne sont pas très contents. Bon, il y a un truc hein, avec des grèves, d'accord? Bon, donc faites attention s'il y a des grèves, effectivement, soyez pas bloqués. Un conseil, s'il vous plaît, pour ma communauté. Ah, ma mince, ça, c'est pas un conseil. Hein. Ça, c'est les ossements, c'est-à-dire. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Le QR code. Ah, mince. Ah, c'est pas un conseil, ça c'est un avertissement, ça. Vous voyez, on ressort encore le crédit social, hein, le QR code. Je voulais parler de LD. Ben, c'est ça. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a les gens. Vous voyez d'ailleurs que les gens, ils ont un caddie. Vous voyez? Ils font leurs courses avec leur QR code. Vous voyez? Donc ça veut dire que c'est la fin de quelque chose. Et il y a l'accession à quelque chose d'autre ici. On change de société là. Ah ouais, alors c'est pas vraiment un conseil, hein. C'est pas vraiment un conseil, c'est un avertissement. Hein. Ouais, parce qu'on va nous dire qu'il n'y a plus de réserve. Il n'y a plus de ressources, il n'y a plus de réserve. Les rats ont grignoté tout le fromage. En gros, hein. Voilà. Alors, ça, en fait, ça va aussi, comment dire, accentuer tout ce qui est misère du peuple, oui, mais aussi des gens qui vont essayer d'aider autrui. Hein. Alors, écoutez, on est vraiment dans les questions de nourriture. Hein. Ça ressort. Et ça, c'est le projet de Madame Ursula. Voilà. Bon, maintenant, j'ai fini. Je vais vous faire la vidéo sur l'abbé Pierre pour regarder si vous voulez. Et puis, j'essaierai de vous dire quelques mots sur l'enlèvement parce que franchement, il faut se préparer. Il faut se préparer. Voilà. Je vous fais la bise et je vous dis à bientôt. Au revoir.